Bonjour à tous, c'est Freeman. Aujourd'hui je vais vous présenter ISS 98, développé par Konami, sorti en 98 en France. Je vais tout d'abord vous présenter les différents menus, Open Game, les matchs amicaux, la Coupe du Monde, World League qui est un championnat qui regroupe plusieurs nations, les pénalties, scénarios, mon entraînement et les options. Dans les options, on peut gérer la difficulté du jeu, choisir les arbitres, activer les fautes, les commentaires, etc. On peut aussi créer des joueurs et les enregistrer dans les équipes. Je vous montrerai ça à la fin avec une petite surprise à la fin que je vous réserve. Donc, tout d'abord le mode entraînement, on va choisir l'équipe de France, entraînement libre. Tout d'abord, alors là on voit donc la liste du 11 de départ. Ici on a les remplaçants qui sont au nombre de 9 je pense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On peut voir les différentes caractéristiques des joueurs qui sont chacun notés en fait. Ils ont des notes pour chacune des caractéristiques. La note du joueur, la note globale du joueur, donc là par exemple Thuram, on voit que c'est 81 qui est écrit en gros en haut à droite. Si je le mets en à la place de Saï, il passe à 80. Et de Saï passe à 80. Pourquoi? Parce que de Saï est meilleur en défenseur central et Thuram meilleur sur le côté en fait. Enfin, d'après le jeu quoi. Par exemple, si je place Zidane en gardien, il va passer à 66 et Barthez va passer à 64. Voilà, donc ça, il faut faire attention quand on change de joueur. Même si je mets Henry au milieu de terrain à la place de Zidane, il passe à 67 et Zidane passe à 72. Donc ça, c'est assez important à connaître. On peut aussi choisir les tireurs. Donc là, Zidane tire tout, quoi. Penalty, corner, coup franc. On peut choisir aussi le capitaine. Généralement, moi, je donne le capitaine à celui qui a la spécialité middle. Je suis pas sûr que ça change quelque chose. Bon, je vais vous montrer ça en fait. Donc, il y a aussi les spécialités. Donc, par exemple Zidane. C'est quel bouton de champ? Voilà. Donc ici Zidane, on voit qu'il a comme spécialité le dribble, le throw c'est la passe profondeur et le middle qui permet en fait aux joueurs de tirer de très loin et de marquer à chaque fois en fait, presque à chaque fois. Donc ça c'est très important. Guivarch a aussi le middle, donc Guivarch et Zidane sont les deux joueurs qui savent marquer de loin dans l'équipe. Enfin, par exemple Deschamps lui peut faire des tacles, enfin, ses tacles réussiront plutôt à tous les coups. De Saï c'est la tête, le tacle et le marquage. Thuram le dribble et les tacles. Voilà. Donc il n'y avait pas encore de spécialité pour les gardiens je pense à vérifier. Donc voilà pour les joueurs. Concernant les formations. Donc on peut choisir le type de formation, 4-3-3, 4-2-4, etc. On peut aussi changer la position des joueurs. Par exemple s'il veut bouger de Saï, voilà, le mettre en plus offensif ou à côté du gardien. On peut aussi changer un groupe de joueurs, changer la position d'un groupe de joueurs, comme ici. Soit je suis très défensif, soit je suis très offensif. Voilà. On peut aussi choisir si un joueur participe à l'attaque ou non. Donc ça c'est très intéressant, ça a été repris d'ISS Deluxe. Voir DSS sur Super Nintendo, c'est très utile par exemple pour demander à un joueur d'aller sur le côté. Alors, en plein Candela lui viendra aider l'attaque sur les côtés et centrer. Donc, on peut aussi changer le rôle des joueurs. Alors changer le rôle d'un joueur, ça peut permettre de lui donner le poste le plus adapté. Donc ici par exemple Carambeu, on voit qu'il est milieu défensif par défaut. Mais si je le passe en wingback, donc en ailier, ou en milieu offensif, ses performances deviennent meilleures. Pareil pour, je pense, pour Henry, qui est ailier.
si je le passe en striker, en buteur, il passe à 87. Ça, c'est important à savoir. Donc pour les tactiques, ça, on verra ça pendant le match, pendant un vrai match. Donc là, on va commencer l'entraînement. Donc, je vais vous montrer différentes possibilités qu'on peut faire. Donc on peut passer. On peut tirer au but. Donc là, voilà. Donc pour les corners, c'est assez classique. On peut diriger la direction du centre et la hauteur. Là, je peux faire un centre à ras de terre ou en hauteur. Voilà. Voilà, reprise de volée. On peut aussi faire, donc là je vais vous montrer les 1-2 et les passes en profondeur. Voilà, donc là je vais faire un 1-2. Hop. Donc ça c'est un 1-2 à terre. Mais on peut également faire des 1-2 en l'air. Voilà. Comme ça. Donc ça c'est très important à savoir durant les matchs. Surtout quand on joue au niveau 5 et le niveau le plus élevé. Il faudra savoir utiliser toutes ces techniques. Donc la passe en profondeur. Je vais faire une passe en profondeur lobée maintenant. Voilà. Quoi d'autre? Passe en profondeur, tir. 1-2. On peut aussi diriger la courbure des centres en fait. Donc ça c'est super important. Et surtout pour tromper le gardien par exemple. Là par exemple je vais faire ça. Et je fais un centre sortant. Là pareil, j'en fais ça, voilà, centre sortant. C'est très utile aussi pour faire des centres avec effet rétro. Donc là par exemple, il n'aurait pas dû être là. Voilà, la balle se stoppe net, c'est très utile surtout quand il pleut, pour que la balle puisse s'arrêter net sur le sol. Donc ça c'est des techniques. Toutes ces techniques sont vraiment à savoir si on veut absolument gagner des matchs au niveau le plus élevé. Ce que je ne vous ai pas montré aussi, c'est les transversales avec l'arrêt de la poitrine, mais là ça n'a pas marché. Alors, si je fais ça par exemple, non, il n'y a personne. Ouais, peut-être sur le centre ça a marché. Voilà, là il arrête la balle en jonglant. C'est le même bouton si je fais ça. Ouais, arrête la poitrine, génial. Et jongle. On peut aussi faire des coups de ciseaux. Donc il suffit de faire ça en fait. Voilà. On lève la balle et on tire. La dernière chose que je vous ai pas montré, c'est les lobes. Ça c'est super important. En 1 contre 1, il est pratiquement impossible de marquer. Donc en fait, il suffit de tirer comme ça en fait. Donc là j'essaie de marquer en vain. J'essaie de cadrer en fait. Voilà. De tirer d'un peu plus loin. Voilà. Je vous ai à peu près tout montré, donc toutes ces techniques seront à connaître durant les matchs. Très important, les 1-2 surtout. Les 1-2 suivies de d'un sombrero, les passes aux profondeurs, passes aux profondeurs lobées, les lobes, etc. Tout ça c'est à savoir. Donc là on va passer au menu Open Game pour faire un match amical. Donc ce que je vous ai pas montré, c'est qu'on peut jouer à plusieurs en même temps, donc à 3 contre l'ordinateur, à 4 contre l'ordinateur, à 2 contre 2, etc. quoi. Donc c'est assez complet. Choisir la France et je vais affronter par exemple la Roumanie. On peut choisir le stade,
Donc là, on a les stades de la Coupe du Monde 98, Saint-Denis, Paris et Lyon. On peut choisir aussi l'horaire du match, donc soit le soir, soit le jour. On peut aussi choisir le temps, soit il fait beau, soit il pleut, soit il neige. Ça, c'est pas mal. Donc là, je vais vous montrer maintenant les tactiques. On peut choisir soit de mettre les tactiques en automatique, soit en manuel. C'est assez important en fait. Donc dans ce jeu, les passes en profondeur sont très utiles. Mieux vaut mettre cette tactique par défaut. Make space, middle, qui veut dire créer de l'espace donc au milieu de la défense. Généralement, je fais middle et puis right, je pense. Ouais. Après, on peut choisir zone press. Quand on est en phase défensive, ça permet de récupérer le ballon. Et offside trap qui permet de créer le hors-jeu. Très important à savoir, on peut régler la caméra. Voilà. Je pense que c'est à peu près tout. Alors la défense, c'est aussi intéressant. Ça permet de créer des zones de marquage individuelles. Je veux que blanc marque à la botte ce joueur par exemple. Voilà, je peux le faire. Soit je peux faire une défense en zone. Alors, comment on choisit le type? Je me rappelle plus. Alors voilà, soit on fait une défense en zone, soit une défense en 1 contre 1. Donc voilà, chaque type de défense a ses défauts et ses qualités. Je pense que si on est offensif, mieux vaut une défense de zone. Enfin, après, c'est à vous de voir en fait. C'est à vous de voir. On va commencer le match. Donc là, je joue au niveau 3 pour essayer de vous montrer différentes possibilités de but. Donc là, le match commence toujours de la même façon. On choisit le côté de la pièce. Et on choisit ensuite le côté pour attaquer ou bien le ballon directement, ce que je fais. Voilà. Là on va essayer de... Alors, en phase défensive, on peut soit récupérer le ballon, soit faire des tacles. Voilà. Voilà, le ballon est revenu direct sur Barthez. Petite transversale. Voilà. Petite 1-2, suivi, une passe en profondeur, et là on va faire un centre. Ça peut marcher. Et voilà un peu comment on doit se débrouiller sur un terrain dans ISS 98. On va essayer de marquer un but. L'ordinateur est assez difficile. Allez, on va essayer de récupérer le ballon. Voilà. Je me prends à chaque fois que je tire ça. Je pense qu'il y a un petit bug.
Ouais, il y a un bug. Bah, je vais reprendre ça. Je coupe et... Donc, je vais faire un reset, plutôt. Visiblement, ça vient de l'émulateur, en fait. Quand on tire, ça revient sur le gardien, je sais pas pourquoi. On va essayer de voir si ça se passe mieux. Ouais, voilà. J'ai temporisé. J'espère qu'il n'y a plus de bug. Voilà, but. Voilà, donc c'était bien un bug. Quand je tirais, ça revenait sur Barthez. Je sais pas pourquoi. Un bug de l'émulateur. Donc là, en 1 contre 1, j'aurais dû lober en fait, pour marquer. Bon, voilà, j'ai tiré sur le gardien et je l'ai repris à ça en fait. On marquera assez souvent comme ça en 1 contre 1. Sauf si vous maîtrisez mieux les lobes. J'essaie de me marquer sur coup franc si jamais j'en ai un. Comme vous pouvez le voir à l'époque, c'était vraiment une tuerie ce jeu. J'ai fait une capture précédente où j'avais justement réussi à marquer de toutes les façons. C'est assez dommage. Là, on va essayer de faire un centre. Donc ça c'est un tir de loin. Allez. Il bouba. Donc là je vous reprends, il y a eu une petite coupure. Donc là on va enchaîner avec la seconde mi-temps. Donc là aussi ce que je vous ai pas dit, c'est qu'on peut voir aussi la motivation des équipes. Donc là vous voyez apparaître les lettres MV à côté du nom de chacun des pays qui clignotent en jaune. Donc en fait la Roumanie, là vous voyez MV sur un fond rouge, ça veut dire que leur motivation est tout top. Par contre là la France, vous voyez MV sur un fond violet, ça veut dire que leur motivation est assez moyenne. Et plus l'équipe va encaisser de buts, plus ça va virer au bleu, plus l'équipe va marquer, plus ça va virer au rouge. Alors par contre si vous menez 3 ou 4-0, votre motivation va virer au bleu, donc ça veut dire que vous serez très très peu motivé pour continuer le match.
Voilà, donc c'est assez pas mal et ça a un impact sur les joueurs que vous ne contrôlez pas en fait. Donc ils seront plus ou moins réactifs selon la motivation. J'espère que j'ai encore assez d'espace disque. Donc là, ce que je vais faire, c'est essayer de marquer sur un centre. J'essaie de passer en 4-4-2 comme il n'y a pas d'attaquant. C'est un jeu vraiment très rapide comme vous pouvez le voir, beaucoup plus rapide que les jeux actuels. C'est une belle transversale. Beaucoup plus rapide et je suis en 50 Hz. C'est-à-dire si je jouais en, avec la version JAP, ça irait encore beaucoup plus rapidement. C'est j'ai fait une transversale. Parfait. Voilà, but. Moi j'ai un peu de chance. Je pourrais faire un changement. Passer en 4-4-2. D'ailleurs comme ça vous pourrez voir comment, on modifie la formation. Donc là 4-4-2. Donc, par contre ça a opéré des changements. Donc au niveau des attaquants. Là j'ai demandé à au côté d'attaquer. Voilà, et voilà, pareil. Ensuite, je vais faire un milieu en losange en fait. Donc, on va changer la position de Zidane. Voilà. Un peu plus sur les côtés. Carambeu, pareil. Voilà. À Henri d'être en pointe. Voilà, donc je vais devoir changer des joueurs aussi. Donc je vais mettre Trezeguet à la place d'Henri. Voilà. Trezeguet, Ibouba, Zidane, Deschamps, 42, je pense qu'on peut mettre Pires ou Djorkaeff. Voilà. C'est parfait. Voilà, Djorkaeff, Deschamps, Zidane. Bon bah est-ce qu'on peut mettre... Bon, on va le garder. Candela, est-ce qu'on peut mettre Lissarasu? Voilà, Lissarasu par exemple dans le jeu est assez faible. La petite 80 du Med. Et du Gary. France are ahead by one goal. Allez. Alors j'espère que le coup franc est assez prêt. 29 mètres. Je pense, ouais. Alors généralement il y a un petit bug dans le jeu, c'est-à-dire que le mur saute tout le temps, donc en tirant à ras-terre on peut marquer presque à tous les coups. Là comme c'est assez loin ça va être assez difficile, on va quand même tenter. Ouais, le mur n'a même pas sauté.
Good clearance. Good pass. Petite passe en profondeur. This is a chance. Beautiful defense. Number 7. Could be a chance here. They're still in control. Ouais, ça c'est difficile de passer. Blague bien les côtés. Ouais, il n'y a personne. Hein. Grâce à caméra, quand même, on peut voir où se trouvent les joueurs. On peut faire aussi monter le gardien avec le bouton de qui est utilisé pour la passe profondeur. Voilà. Je fais une tête croisée, j'aurais pas dû le faire. Donc là l'ordinateur a décidé de faire un changement. Ouais, donc là on peut le voir en fait opérer le changement. Je pense qu'on pouvait le voir aussi dans ISS Deluxe. On va vérifier, mais je pense que c'était possible là. Substitution. Voilà, on peut faire une passe de loin, comme ceci. Petite 1-2. Dans une défense regroupée, c'est assez difficile. Voilà. Good pass. A chance for a goal here. Passe profondeur lobée. L'ordinateur effectue encore un changement. Ouais, c'est bientôt la fin du match. Non, de partout, non. En plus dans les arrêts de jeu, c'est difficile de... Bon, il va falloir que j'essaye de marquer de loin. Yes! Ah putain! Putain! Ouais, donc Zidane avec la spécialité middle peut marquer de loin. Donc ça, il faut absolument savoir l'utiliser. Voilà, on peut voir le replay. Avec un bel effet.
catches it on. Well played. Great ball. Oh, what skill! Allez, 13 goal. Oh putain, la barre. Ah, c'était parfait ça, dommage qu'il ait sifflé. Donc voilà, petite victoire 3-2 de la France contre la Roumanie. J'espère vous avoir montré pas mal de choses. Si vous voulez vous en connaître plus, bah, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Là, ce que j'ai essayé de vous montrer maintenant, c'est le mode scénario en fait, qui est assez fourni. Donc c'est repris en fait de ISS, de ISS Deluxe. Donc là en fait on a différents scénarios, donc en fait ce sont des matchs qui ont existé, réellement existé, dont on peut changer la fin en fait. Donc là par exemple France-Afrique du Sud, il y a un partout voilà, presque à la fin du match et il nous demande de marquer le second but pour la France. La France a vraiment gagné 2 en fait. Bah, j'essaie de faire un match assez facile. Donc là, ouais, voilà, les scénarios sont notés de 1 étoile à 5 étoiles. 1 étoile c'est que c'est relativement très simple. 5 étoiles c'est que c'est très difficile. Voilà, un match à 5 étoiles. Là il nous demande de marquer 3 buts avec le Japon contre le Brésil en 3 minutes. Donc c'est assez difficile. Là il nous demande juste de conserver le score. Et je vais essayer de faire France-Afrique du Sud. Donc là en fait ils vont nous mettre sur un coup franc. Et il nous reste à peu près 30 secondes. C'est assez chaud. On peut changer la caméra. Voilà. Donc là j'essaie de lober tout le monde. Le bœuf, je sais pas ce qu'il fout là. Voilà, donc ça c'est juste pour montrer le mode scénario, mais c'est très difficile de marquer. Voilà, donc là comme il joue le temps. Voilà, c'était le mode scénario, donc là j'ai perdu. Il fallait que je marque un but. De toute façon, je l'ai déjà gagné par avant. Bon, quand je l'avais à l'époque sur Nintendo 64, j'avais tout terminé. Voilà, donc là je vous ai montré le mode entraînement, le mode scénario. Les pénalties. Alors les pénalties. Donc là je vais prendre la France, désolé il y avait une petite coupure, l'Irlande du Nord par exemple, voilà. Voilà, donc ce que je disais, donc, moi qui ai eu la coupure, c'est que on peut choisir en fait l'endroit où on va tirer avec le carré bleu, qui représente le tireur, et le carré rouge, qui représente la zone d'arrêt du gardien en fait. Donc plus le gardien est meilleur, mieux, enfin plus grande est sa zone d'arrêt en fait. Et plus le tireur est précis, plus sa zone bleue sera petite. Voilà. Parce qu'en fait, là on voit un carré bleu qui clignote et autour une ligne bleue qui représente la marge d'erreur en fait du tireur. Donc c'est assez intéressant. Moi je tire ici. Un tir à raterne, d'habitude ça marche tout le temps en fait. Voilà. Il faut deviner un peu où le tireur va tirer en fait. Quand on joue contre l'ordinateur, fou.
essaye toujours de les mettre sur les côtés. Non, je pense qu'il a tiré là, non. You can feel the tension. Ouais, si je continue comme ça, je devrais pouvoir gagner. Zidane. Alors lui, il a une marge d'erreur très très grande en fait. Il a dû vouloir tirer dans la lucarne, mais ça s'est retrouvé ailleurs. Deschamps qui marque, malgré une zone d'erreur assez grande. Et là, j'ai gagné. Voilà. Ouais, c'est bien tout ça. Donc là, on voit les joueurs derrière. Plutôt bien modélisés. Enfin, pour l'époque, en tout cas. Donc là, je vais vous montrer la petite surprise. La petite surprise. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je choisis le Kazakhstan? C'est assez bizarre, ça. Pourquoi je vais les mettre tous au maximum de leur capacité? Allez, je vais mettre de la pluie. Voilà. Et oui, j'ai modélisé les testeurs que l'on connaît tous. Et je les ai enregistrés dans l'équipe du Kazakhstan. Voilà, parce que c'était une équipe qui n'avait pas de grands joueurs. Donc là, j'ai mis Rilmiob, Mask, Slivovic, Jiri, Enigmatic, RV77, Le Hooper, Steve, Usul, Cœur de Vandal et Edge. En remplaçant, nous avons Télévisateur, Eljoder, Padawam, Mister Edu, Clem, Jour de Gurnier, El Shinobi, Thundar et BB300. Et on va essayer de gagner le match avec eux. J'ai mis 3 minutes le match, donc ça ne devrait pas être très long. Je vais assigner ma tactique. Voilà. Et tout devrait être bon. Enfin, je vais mettre les remplaçants en seconde période. Allez, on va essayer de marquer avec Edge ou Cœur de Vandal. Donc c'est Slivoïd qui décide qui est le capitaine de l'équipe. Normal. Allez, allez Usul. Un cœur de Vandal qui a failli marquer. Et Mask. Un beau tacle. Une personne devant. Allez, allez, allez. Putain. Elle est où, Edge? Un très beau tag de Enigmatic. Et Steve. Et Edge. Très belle reprise de Cœur de Vandal sur une passe d'Usul, il me semble. On va essayer de marquer sur corner. Difficile. Voilà, le Hooper qui récupère la balle.
score yet from either side. With less than a minute, plenty of support from the midfield. That's headed back. Great header, well taken. Gladge qui fait une super tête. Number 8. Allez, le Hooper qui débarrasse tout le monde. Well played. He passes it forward. What sort of performance can we expect? Ah, j'aurais dû faire un lob. Well played. We're into injury time. Voilà. On peut très bien ne pas attendre que le joueur pose la balle pour démarrer le coup franc. Ce dernier effet n'est pas assez. Voilà, fin de la mi-temps. The score remains 0-0. Allez, on va faire marquer un but. Les passes sont ratées. Et bravo Sylvain. Allez, l'usure. Je vais faire jouer les remplaçants, certains du moins. Allez, on travaille le jury. Oh, c'était beau ça. Super travail de Steve. J'ai même pas fait de changement. Quel idiot. Et on va mettre du 300 qui est une vraie bête. On va mettre Mister Edo. Place de Steve, on va mettre
Tanda ou Clem, je pense qu'il est assez fort. Thunder. Ouais, Thunder. Puis j'ai un super coup franc, je pense. Ouais, Steve Usulker dans la sorte. Mystery 12, Thunder et BU300 rentrent sur le terrain. Et on va essayer de faire le tir à terre. Ça a marché. C'est assez difficile de jouer sous l'appui. Ah yes, et qui a marqué? Edge. Edge a marqué le premier but de la Dream Team des Saints de jeux vidéo. Bravo à lui. C'est difficile de présenter, enfin de commenter un jeu de foot. Alors j'ai une proposition à faire, si vous êtes intéressé. On va essayer déjà de passer ce type. Une proposition à faire, c'est-à-dire de faire une Coupe du Monde avec cette équipe, faire une Coupe du Monde avec cette équipe, avec un autre testeur, ou une autre personne, qui accepterait de faire les commentaires sportifs. Alors, je sais pas si ça vous intéresse, vous pouvez me laisser un message. Et voilà, on termine maintenant ce test de ISS 98, sur une victoire de la Dream Team. Et le buteur était donc Edge, victoire 1-0. Pour une première, c'est plutôt pas mal. Et je vous laisse là-dessus, et puis donc à la prochaine pour un nouveau test peut-être. Allez, à plus.